Hello à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Diablo 4, la première d'une longue série, je l'espère. Hein. Donc voilà, je suis arrivé niveau 50 et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo. Voilà, donner quelques petites astuces hein, pour peuvent un petit peu vous faciliter la vie pour ce leveling. Alors la première chose à faire, vous allez dans les options du jeu et vous allez cliquer sur comparaison avancée des infobulles et information avancée des infobulles. Vous enregistrez, vous fermez, et ça vous permet quand vous lootez un objet, voilà, d'avoir vraiment la comparaison entre ces deux objets et de voir quel est le meilleur hein. Vous avez directement tout qui s'affiche et c'est plutôt sympa à faire. Alors deuxième chose aussi, dans les options graphiques cette fois-ci du jeu, moi j'ai baissé la qualité des textures d'ultra en élevé. Pourquoi? Parce que parfois, à certains moments, le jeu frise un petit peu une fois qu'il est en ultra. Je sais pas pourquoi, parce que sinon le jeu est vraiment bien optimisé. Moi je tourne en moyenne à 140 images par seconde, mais voilà. En descendant cette option d'ultra en élevé, franchement, vous allez gagner en confort et le jeu ne frise plus du tout. Peut-être que c'est dû à mon PC, hein, mais voilà, c'est un petit conseil que je vous donne quand même. Alors, au début du jeu, vous avez le choix entre deux modes de difficulté. Donc le premier aventure, qu'on va dire qui est le mode normal, et le mode expertise. Le mode expertise, ben, les monstres vont être un petit peu plus balèzes, ça c'est sûr, et ils vont vous octroyer plus d'expérience et plus d'or. Sincèrement, ça vaut pas le coup de le faire, parce que le gros de l'XP que vous allez engendrer dans le jeu, c'est via beaucoup les quêtes, hein, clairement. Et vous allez voir que le niveau d'XP, que ce soit en aventure, en expertise, est exactement pareil lorsque vous rendez les quêtes. Donc pour un confort de jeu, vous découvrez le titre, vous n'allez pas aller plus vite, vous allez voir, pas avoir beaucoup plus d'or, parce que finalement les monstres vont mettre plus longtemps à tomber, et donc en ratio temps, je dirais que le mode aventure est clairement le plus opti pour démarrer le jeu. Alors autre chose aussi, c'est au niveau de la carte. Dans les anciens Diablo, voilà, on avait la carte qui était affichée, hein, qui était transparente, et on jouait avec la carte qui était affichée. C'est pas le cas dans ce Diablo 4, et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, parce que le jeu est tellement beau que avoir une carte comme ça qui vous cache la moitié des détails du jeu, ça aurait été dommage. Au début, j'étais pas du tout fan, et puis maintenant, je me dis que c'est plutôt cool. Surtout que, voilà, pour vous diriger, hein, donc vous voyez ici en haut à droite, vous avez une minimap. Vous voulez aller à un lieu prédéfini, bah, par exemple ici, hop. Voilà, vous cliquez et voyez le chemin, c'est indiqué, et donc vous n'avez qu'à le suivre, hein. Franchement c'est aussi pratique, et vous n'avez pas besoin de à chaque fois spammer pour voir où vous êtes. Alors une chose aussi importante, c'est au niveau de l'argent dans le jeu. Ne gaspillez pas votre pognon, vous allez en avoir besoin. N'achetez pas des items auprès du forgeron. Voilà, le forgeron vend des items blancs ou jaunes, même si voilà, dans les items qu'il vend, c'est mieux que ce que vous avez, vous allez looter, hein, de toute façon, beaucoup mieux. Donc, ne gaspillez pas votre argent, gardez-le, parce qu'en fin de jeu, enfin, en tout cas ici, moi, je vais commencer à monter mon build. Et là, clairement, je vais vraiment avoir besoin de pognon. Donc, ne le gaspillez pas. Même chose, au niveau des builds, quelque chose de très important. Je ne vous référerai pas trop aux vidéos qu'il y a sur YouTube. Ça peut vous donner une base, ça peut vous aider, mais il y a déjà des builds qui ont été nerfs de l'accès anticipé, donc de vendredi, à la sortie du jeu qui a eu lieu mardi. Mais croyez-moi, il y a déjà eu des nerfs et des ups, donc il y a voilà, des builds qui sont sortis, qui ne sont plus du tout OP, donc ça ne sert à rien d'aller voir et de dépenser de la thune là. Essayez des petites choses bas level, hein, voilà, les skills qui vous plaisent le plus, et essayez que ça synergise le maximum. Par exemple, moi j'ai pris un build ben voilà, du nécro, donc un build invocation, ben voilà, donc j'ai maxé tout ce qui était pet, etc. Donc voyez, soyez cohérent dans le build que vous voulez faire, mais ne gaspillez pas votre pognon là-dedans. Si vous voulez faire des respects, c'est vraiment au bas niveau, parce que plus vous allez augmenter le niveau et plus vous allez respect, plus ça va coûter cher. Donc gardez en maximum votre pognon, en tout cas, et soyez sûr avant d'investir de l'argent ou des points dans votre arbre de compétences. Alors, tout ce que vous allez ramasser dans le jeu, plantes, cuir, etc., gardez-le, ne le dépensez pas avant le niveau 50, ça va pas vous servir à grand chose. Clairement, le jeu est largement faisable jusqu'au niveau 50, après il va falloir s'optimiser forcément, mais ne dépensez pas votre pognon avant, ça ne sert à rien. Alors, au niveau du cheval, donc dans le jeu, voilà, on a un petit canasson
Alors qu'on récupère au tout début de l'acte 4. Donc moi ce que je vous conseille c'est de faire le jeu jusqu'à l'acte 4 et après de stopper un peu toute l'aventure et de pexer un peu voilà, pour votre build, mais en tout cas de récupérer le cheval. C'est un, voilà, une petite quête, enfin c'est la première quête de l'acte 4 qui va vous fournir ce destrier et franchement il est assez pratique. Dans le jeu vous allez looter des légendaires et ces légendaires il ne faut surtout pas les revendre. Gardez-les, moi je les ai mis dans le coffre, hein. Donc voilà, ici on va s'y rendre, voilà, à cheval, tranquillement, hop, voilà, donc moi j'ai tout gardé dans mon petit coffre, qui se trouve ici, voilà, ça c'est les légendaires que j'ai. Pourquoi les garder? Parce que vous allez pouvoir extraire les pouvoirs de ces légendaires, voilà, et les avoir sous forme d'aspect ici. Ça veut dire que vous pourrez vous en servir plus tard si vous tombez sur une bonne pièce de stuff mais qui n'a pas la compétence que vous souhaitez, mais pour que vous pourrez le lui mettre. Et ça c'est plutôt cool, donc ne les jetez pas, gardez-les, c'est super important. Alors dans le jeu, voilà, vous allez croiser des hôtels de Lilith. Ces hôtels sont importants à activer parce qu'ils vont vous donner des bonus de statistiques, hein, donc par exemple 2 plus 2 en intelligence, 2 en force, 2 en dextérité, etc. etc. Ne vous cassez pas la tête, n'essayez pas de les chercher, enfin, ceux qui ont envie de les chercher par eux-mêmes, faites-le. Moi, j'ai été chercher les infos sur Internet, parce qu'il y en a qui sont super bien cachés. Et ce serait con de rater voilà, des points de compétence, clairement, parce que vous êtes passé juste à côté. Donc voilà, ça c'est, chacun fait comme il veut, mais sincèrement, ils sont vraiment bien cachés, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, il y a des cartes avec leur indication, et c'est plus simple. Alors, dans le jeu aussi, vous avez toute une série de donjons. Alors ces donjons, vous n'êtes pas obligé de tous les faire, parce qu'il y en a, voilà, qui vont vous donner par exemple ce donjon, si je le fais, il va me donner une compétence que le druide peut utiliser uniquement. Donc ça sert à rien que je le fasse par exemple avec mon écrou. Je le ferai, hein, pour une autre raison, je vous expliquerai après. Mais voilà, dans un premier temps, faites peut-être les donjons par rapport à votre classe, comme ça vous pourrez avoir acquérir des compétences. Et on va aller voir ça tout de suite. Ça veut dire que dans le jeu, voilà, toujours après niveau 50, ça serait trop de le faire avant. Hein. Bon, maintenant, si vous pouvez, mais si vous voulez le faire, faites-le. Mais bon, voilà. Par exemple, je vais mettre un objet ici. Voilà. Je vais aller dans le codex de puissance. Voilà. Donc, affiché uniquement par rapport à ma classe. Hein. Allez, voilà. Par exemple, je vais prendre ça ici. Voilà. Et donc, j'ai besoin de ça comme matériau. Vous voyez ici, ça, j'en ai pas des protections tournoyantes. C'est un matériau d'Artina Zara. Mais voilà, ça va me coûter 36 000. Je le craft et donc le codex de puissance, voilà, va avoir en tout cas cette pièce de stuff qu'il n'avait pas d'affixe légendaire, bah, va pouvoir l'avoir grâce à ceci. Donc c'est super important aussi de faire les donjons. Alors autre chose aussi qui est très important à faire dans le jeu, hein, vous voyez, hop, c'est chaque région. Ici, vous voyez, j'ai pas tout fait encore, mais chaque région va vous donner des bonus. Donc, à chaque fois que vous allez visiter un lieu, vous allez conquérir un bastion, trouver un relais, trouver des hôtels de Lilith, faire les donjons secondaires, c'est pour ça que je disais, c'est quand même important de les faire, vous allez acquérir des points de renom qui vont vous donner des bonus. Par exemple, ici, voilà, j'ai eu 3000 pièces d'or, un point de compétence, c'est plutôt cool, plus 1 à la capacité de la potion, ça c'est cool aussi, et plus 1 de compétence. Aussi un point. Là, je peux même aller choper, une fois que j'ai tout déverrouillé, donc il y a quand même 150 000 pièces d'or, c'est pas rien, et 4 points de parangon, donc c'est plutôt cool. Donc si vous faites tout, imaginez le nombre de points de parangon que vous allez avoir. Ici, je vais encore acquérir points de compétence que je vais pouvoir mettre dans mon build, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc n'hésitez pas à faire cela et de le faire vraiment à votre aise. Voilà, j'en ai terminé avec ce petit guide de départ pour Diablo 4. Hein. En tout cas, le plus important, c'est vous amuser. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, petite dernière info, j'ai créé un clan sur le jeu, les dépeceurs de pixels. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, ah ben, vous êtes vraiment les bienvenus. Tant que vous avez une bonne mentalité, vous êtes là pour vous amuser. Voilà, nous, on accepte tout le monde. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à toutes et tous.